Coucou tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour le débourrage de Bobo. Donc en fait les séances commencent toujours avec du travail à la longe. Donc je la fais marcher, trotter, je lui apprends à ralentir et à s'arrêter. Et l'arrêt est hyper difficile pour un cheval à faire. Le travail à la longe dure pas très longtemps parce qu'en fait c'est très très dur pour le cheval. Donc en fait je fais des séances de 10 minutes maximum. Travailler Bonnie à main gauche et à main droite. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la travailler et dans le sens à gauche et ensuite dans le sens à droite. C'est très important pour le cheval parce qu'en fait, ça va lui permettre d'être à l'aise en fait tout simplement dans les deux sens. Câlinou de fin de séance parce que Bobo elle a bien travaillé et on passe ensuite à la partie 2 qui est la désensibilisation. Donc en fait on lui met la selle, le tapis, le filet, donc je galère bien à lui mettre et on va faire en fait différents exercices qui vont la préparer petit à petit à recevoir quelqu'un sur elle. Thank you.
cette partie, je la fais avec ma mère, puisqu'elle a déjà débourré des chevaux. Donc c'est vrai que voilà, elle partage son expérience avec moi, comment je dois m'y prendre, etc. Donc là, ma mère, en fait, elle bouge l'étrier. Elle mime tout simplement le mouvement de jambes et plus pieds du cavalier. Donc ensuite, je vais avoir l'air un peu bête puisque je vais sautiller sur place en bougeant la selle. Voilà. Bouge la selle, ça permet également à Bonnie de me voir sous un autre angle, sous l'angle qu'elle me verra en fait quand je serai sur son dos. Descendue et ça l'a assez stressée puisque elle a fait 4-5 tours au trot, voilà, mais c'était bien parce que du coup voilà, ça lui habitue à tout ça.